Partout où elle passait, les gens disaient « C'est Madame Chippy qui sème la zizanie !» Madame Chippy avait un petit air innocent et un sourire charmant. Et pourtant, c'était bien vrai, Madame Chippy semait la zizanie. Un matin, Madame Chippy alla voir Monsieur Malpoli et lui demanda « Vous savez ce que Monsieur Petit raconte quand vous n'êtes pas là ?»« Moi non !» répondit Monsieur Malpoli. « J'aurais bien le savoir !» Vous êtes un gros plat de soupe. Ah, vraiment ? Grogna Monsieur Malpoli. Cela ne fit pas du tout plaisir à Monsieur Malpoli, qui partit de ce pas régler son compte à Monsieur Petit. Ah, oh, ce que j'aime semer la zizanie ! Gloussa Madame Chippy. Ah, oh, c'est drôle ! Un peu plus tard, Madame Chippy alla voir Monsieur Malin et lui demanda. Vous savez ce que Monsieur Petit raconte quand vous n'êtes pas là ? Non, répondit Monsieur Malin. Oh, je voudrais bien le savoir. Il dit que vous êtes un singe à binocle. Vraiment ? Je vais aller lui dire deux mots, grommela Monsieur Malin. Madame Chippy était ravie de ses mauvais tours. Comme ça m'amuse de les rendre furieux. Oh, c'est extraordinaire. Quelle joie! Juste après, Madame Chippy alla voir Monsieur Inquiet et lui demanda « Savez-vous ce que Monsieur Petit raconte derrière votre dos ?»« Mais non !» répondit Monsieur Inquiet. « Que peut-il bien raconter ?»« Ah, il dit que vous avez un nez rouge de clown !»« Ah oui ? Eh bien, je vais lui montrer si je suis drôle !» dit Monsieur Inquiet. Madame Chippy trouvait la situation très drôle, très 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 drôle. Ah, quelle bonne farce j'ai joué à Monsieur Petit. Je me demande quelle tête il va faire. Est-ce que c'est drôle? Monsieur Petit travaillait dans un petit magasin. Il était très occupé à ranger une boîte de bonbons lorsque tout à coup la porte s'ouvrit à grand fracas. Monsieur Malpoli se précipita dans le magasin, suivi de près par Monsieur Malin et d'encore plus près par Monsieur Inquiet. « Je viens vous régler votre compte !» dit Monsieur Malpoli. « On va voir qui est le clown de nous deux !» dit Monsieur Inquiet. « Et moi, je n'aime pas être traité de singe à binocle !» dit Monsieur Malin. Monsieur Petit était tellement surpris qu'il fit un pas en arrière et tomba du comptoir, se recevant toutes les boîtes sur la tête. En voyant ce qui était arrivé à Monsieur Petit, Madame Chippy rentra chez elle d'humeur guillerette. La 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 À présent, Monsieur Petit devait faire soigner ses blessures. Il alla donc consulter le docteur Pilule. « Oh, d'où Jésus ! » s'écria le docteur. « Que vous est-il arrivé ?» Monsieur Petit lui raconta sa double mésaventure. « Oh, vos grands mots, les grands remèdes !» déclara le docteur Pilule. « Il faut d'abord donner une bonne leçon à cette petite madame. » Le docteur réfléchit un moment, puis il se mit à rire. « Je crois que j'ai une bonne idée, dit-il. »« Quoi donc ?» demanda Monsieur Petit. Le docteur Pilule se pencha vers Monsieur Petit et lui chuchota quelque chose. « Tu voudrais bien savoir quoi ? Impossible, c'est un secret. » Cet après-midi-là, Monsieur Petit se rendit chez Monsieur Chatouille et lui demanda « Vous savez ce que Madame Chippy raconte quand vous n'êtes pas là ?»« Non, répondit Monsieur Chatouille. « Ah, mais je voudrais bien le savoir. »« Elle dit que vous êtes une grosse nouille. Quoi ? » Une grosse nouille. Après quoi, Monsieur Petit se rendit chez Monsieur Malchance et lui demanda « Vous savez ce que Madame Chippy raconte quand vous n'êtes pas là ?»« Non, » répondit Monsieur Malchance. « Je voudrais bien le savoir. »« Elle dit que vous êtes un gros balourd. »« Quoi ?»« Un gros balourd. » Madame Chippy fut bien étonnée de voir arriver Monsieur Chatouille et Monsieur Malchance. « Comment osez-vous me traiter de grosse nouille ?» s'écria Monsieur Chatouille. Et il la chatouilla. « Comment osez-vous me traiter de gros balourd ?» s'écria Monsieur Malchance. Et il la bouscula. Bon, bon.
T'est-il déjà arrivé d'être chatouillé et bousculé en même temps? Eh bien, c'est pas drôle. Pas drôle du tout. Or, Madame Chippy eut droit à 10 minutes de guili-boum-boum. Et 10 minutes, c'est long. Tu peux le croire. Ce soir-là, le docteur Pilule rendit une petite visite à Monsieur Petit. Comment vont vos blessures? Oh, beaucoup mieux, docteur, je vous remercie. Et notre petit stratagème a bien marché? Comme sur des roulettes. Oh, ben vous m'en voyez ravi, déclara le docteur. Ils se serrèrent la main, ou plutôt Monsieur Petit lui serra juste un doigt. Ensuite, le docteur Pilule alla rendre visite à Madame Chippy. Oh, elle faisait triste mine. Vous ne vous sentez pas bien? Demanda le docteur Pilule. Alors Madame Chippy lui raconta tout, absolument tout. Eh bien, Monsieur Chatouille a dit que je l'avais traité de grosse nouille alors que c'est pas vrai. Et Monsieur Malchance a dit que je l'avais traité de gros balourd, c'est pas vrai non plus. Alors ils m'ont fait guili-guili-boum-boum pendant 10 minutes. Le bon docteur la regarda en riant. Vous savez ce qu'on récolte quand on sème la zizanie? Quoi? Une bonne dose de guili-guili.